Tous les musées ne sont pas toujours équipés ou peuvent être un peu effrayés à l'idée que des enfants à quatre pattes débarquent en plein milieu des sculptures et des magnifiques tableaux qu'il ne faut pas toucher. Il émane, on va dire, d'une volonté de créer une structure parallèle, une structure complémentaire du paysage culturel existant, avec pour objet en fait de modifier, de changer des schémas habituels, des schémas traditionnels de la médiation culturelle, puisqu'on a un peu tendance à copier-coller les dispositifs de médiation culturelle d'une saison à l'autre. On avait envie de penser une structure qui soit là pour essayer de re-questionner les approches des publics et d'expérimenter de nouvelles manières de faire ces ponts entre des arts et des personnes et essayer de renouveler un peu la boîte à outils des médiateurs culturels, de pouvoir venir en renfort, en inspiration, en complémentarité d'équipe également. Il y a deux dimensions. Une première dimension qui est fondée sur de la recherche-action. C'est-à-dire que pour nous, on est un espace d'expérimentation qui est pensé en coopération avec des chercheurs universitaires. On avait envie d'offrir des terrains d'études, des terrains de recherche. Et inversement, comment une production scientifique peut nous inspirer, nous, pour créer de nouveaux outils ou de nouvelles modalités d'approche des publics. Et une deuxième dimension de l'association, c'est tout simplement de répondre à un enjeu d'intersectorialité, d'une part d'interdisciplinarité, c'est-à-dire essayer de penser des médiations plus croisées entre le musée, les patrimoines, le spectacle vivant, et d'être dans des approches plus transversales quand on conçoit des projets de médiation culturelle, et aussi et surtout d'être dans une dynamique qui va croiser le champ du médico-social, le champ de la petite enfance, le champ du social, des personnes en situation de handicap, avec le secteur des arts et de la culture. Mille et un projets au Labo des Cultures. Là, j'ai choisi de vous parler de mes premiers pas au musée. C'est un projet qui est à l'attention de la petite enfance, donc petite enfance, les 0-3 ans, et qui s'est construit dans un maillage partenarial très très fort, qui a été soutenu, qui a vu le jour grâce à la région Nouvelle-Aquitaine et également grâce au soutien du département de la Gironde, de l'IDAC, également et surtout de la municipalité de Bordeaux, qui a pu s'associer à la fois, je parlais d'intersectorialité, avec le service de la petite enfance et également le service culturel et des crèches municipales qui ont œuvré pour la mise en œuvre de ce projet avec deux musées, le musée des Beaux-Arts et le musée d'Aquitaine et leur équipe entière qui se sont lancées dans cette aventure-là. Et les mairies de quartier et Bordeaux Mécènes Solidaires ont aussi été des énormes soutiens pour mettre en œuvre ce projet. L'intention première, c'était de pouvoir trouver une nouvelle manière ludique, sensible, adaptée, pour qu'un tout petit et sa famille ou les professionnels qui l'accompagnent au quotidien puissent se sentir un peu plus légitimes à franchir les portes d'un musée. Et que des musées aussi se sentent plus à l'aise à l'idée de recevoir des bébés au milieu de leur collection. Et donc pour ça, on a eu envie de s'attarder à un public qui est souvent, on va dire, délaissé aussi des propositions en termes d'offres artistiques ou de médiation culturelle, un peu délaissé, un peu oublié, un peu mis de côté. Et ça s'ancre aussi dans un mouvement où on pointe aujourd'hui un état de malnutrition culturelle. Et donc pour ça, on a mis en place tout un parcours où l'idée étant de revenir sur des fondamentaux, hein, de l'éveil culturel, de voir des œuvres d'art, de rencontrer des artistes, de faire aussi, d'expérimenter. Donc on a mis en place des visites tout simplement avec des bébés dans les musées. Alors tout simplement, c'est pas si simple que ça, parce que tous les musées ne sont pas toujours équipés ou peuvent être un peu effrayés à l'idée que des enfants à quatre pattes débarquent en plein milieu des sculptures et des magnifiques tableaux qu'il ne faut pas toucher sur les murs. Donc ce n'est pas si simple, mais on a mis en œuvre grâce à la conviction des médiateurs aussi et médiatrices culturelles et des équipes des musées, des visites semi-libres, semi-dirigées, où nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir vers quelle œuvre allait naturellement le bébé. Quelles étaient les sculptures, les tableaux, les objets qui attiraient particulièrement
leur intérêt, leur attention, où ils verbalisaient des choses, où ils montraient des temps d'attention. Ce qui nous a permis de sélectionner en fait des œuvres d'art et à partir de ces œuvres-là, de construire tout un tas d'étapes où on allait pouvoir un peu plus les découvrir par le biais de lectures, de livres, par le biais d'ateliers sensoriels, par le biais également de comptines qu'on allait réaliser à partir de ces œuvres d'art, parce que l'idée étant d'en sélectionner quatre dans chaque musée partenaire et de donner carte blanche à Eileen, qui est donc une musicienne, autrice, qui a eu donc la possibilité d'écrire des petites comptines à partir de l'univers qui pouvait se dégager de ses œuvres d'art. Donc il y a eu toutes ces étapes-là où on est revenu, on se rendait compte que les tout-petits avaient bien mémorisé énormément de choses lors des visites, même si du temps s'était écoulé, il y avait tout un tas de références qui ressortaient quand on revenait dans leur lieu pour leur remontrer et projeter par exemple un tableau qu'ils avaient vu. Et on est allé donc jusqu'à organiser ce qu'on a appelé des bulles musicales, pour reprendre le terme mis en place par le Krakatoa, qui était une scène de musique actuelle partenaire du projet. Toute cette expérience-là, elle a été accompagnée à deux échelles. D'une part, par une artiste plasticienne qui est Émilie Fenouillat, qui a vécu toutes les étapes de ce projet et toute la matière qui a été recueillie. Et c'était l'objectif final, j'ai gardé beaucoup de suspense, était de créer un livre. Et l'idée étant que ce livre devienne un support, un prescripteur de visite. Et l'idée étant d'avoir un livre qu'on peut explorer dans son salon, qu'on peut explorer au cœur de notre crèche et qui nous familiarise déjà avec le musée. Et ça permet aussi au musée d'être hors les murs et de s'immiscer dans le quotidien en fait de la petite enfance et des musées. Et autre chose primordiale, c'est que ce projet, il a été co-construit et co-pensé avec Jessica Sandoya, qui est une chercheuse. Tout a été déployé en coopération, en co-construction avec elle et surtout étudié par tout un protocole scientifique qu'elle a mis en place, puisque nous, ce qui nous intéressait, c'était également de mesurer à la fois l'efficience de tout ce processus, de voir l'impact que cet objet prescripteur de visite, en tout cas de faire ce pari que les familles allaient y revenir grâce aussi à cet objet-là, allait être étudié scientifiquement. Par toute une combinaison d'observations et d'entretiens qualitatifs aussi qu'elle a mis en place, et toute une grille d'analyse qui nous a permis aussi, au long cours, dans l'état d'esprit d'une recherche-action, d'adapter les étapes du projet et d'adapter l'objet en fonction des résultats de la recherche en cours qui était en train de s'écrire, et de faire un va-et-vient sur de la recherche fondamentale et puis finalement de la recherche appliquée.